Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce midi-conférence sur les perspectives canadiennes et provinciales, québécoises, en matière d'inégalité de revenus. Mon nom est Luc Godbout, titulaire de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, qui célèbre cette année ses 20 ans. Donc, je suis fort heureux de la tenue de ce midi-conférence organisée conjointement avec le Laboratoire sur les inégalités mondiales. Ce matin, heure du Québec, à 9 h, nous étions près de 500, au seuil des 500 à s'être inscrits. Donc, merci pour votre intérêt à la diffusion des travaux de recherche. Le déroulement sera le suivant. Dans un premier temps, Thomas Piketty abordera les perspectives sur la recherche sur les inégalités faites au Laboratoire sur les inégalités mondiales. Après cette mise en perspective de Thomas, les quatre auteurs de l'étude présenteront les principaux résultats dans une perspective, encore une fois, canadienne et québécoise. Le tout sera suivi d'une période de questions. Alors, je vous invite dès maintenant à regarder dans le bas de votre écran. Il apparaît un bloc là, qui est soit QR ou en anglais Q&A, où vous pouvez aller basculer vos questions. Et je vais les prendre là pour lorsque j'animerai la période de questions. L'événement se déroulera principalement en français, même si certains intervenants pourront prendre la parole en anglais. Donc, pour débuter, sans plus de préambule, même s'il n'a pas besoin de présentation, je vous présente Thomas Piketty, économiste mondialement connu pour ses travaux, selon on pense à son livre Le Capital du 21e siècle, ou encore à ses travaux avec Emmanuel Saez sur les inégalités. Parmi ses faits d'armes, il est un des cofondateurs du Laboratoire des inégalités mondiales. Donc, c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Donc, au nom de l'Université de Sherbrooke, de l'École de gestion, de la chaire, évidemment, je le remercie de sa présence au Québec, même si elle est virtuelle. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole. Donc, à toi, Thomas. Merci, merci Luc. Alors moi, je vais être vraiment extrêmement bref parce que je crois qu'on est tous là d'abord pour entendre les résultats de cette nouvelle étude sur les inégalités au Canada et dans les provinces du Canada. Et donc moi, je voudrais surtout vraiment remercier toute l'équipe, Mathieu, Camille, Silas, François. Et on en parlait tout à l'heure avec François. On a parlé de la première fois de ce projet extrêmement ambitieux sur les inégalités au Canada. On en a parlé avec François en 2016, je crois, donc ça fait plusieurs années, c'est un travail de très longue haleine, un travail de fond, et moi je suis vraiment très très heureux de voir aujourd'hui l'aboutissement de ce travail. Je voudrais rapidement dire à quel point ce travail de recherche se situe entièrement dans les perspectives qui sont celles du laboratoire sur les inégalités mondiales, avec trois grandes nouveautés dans ce travail. Alors, on avait déjà, si vous regardez avant la publication de cette étude, on avait déjà des données historiques sur l'évolution des inégalités au Canada, en particulier grâce aux travaux faits par Emmanuel Saez et Michael Ville il y a plusieurs années. Et ils avaient utilisé les données historiques issues de l'impôt sur le revenu au Canada depuis le début des années 20 ils s'arrêtaient dans leur première étude au milieu des années 2000 ou au début des années 2000, et ils trouvaient une courbe générale sur l'évolution historique des inégalités au Canada assez proche finalement de ce qu'on peut trouver aux États-Unis ou dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire une diminution assez forte des inégalités des années 20 jusqu'aux années 50, une stabilisation des années 50 à 1980 environ, puis une remontée assez forte depuis les années 80. Alors avec des différences quand même très importantes par rapport aux États-Unis, une remontée beaucoup moins forte au Canada, même si ça reste une remontée forte, donc avec un niveau d'inégalité plus importante que dans la période 1950-1980. Et bon, cette première étude d'Emmanuel Saez, Michael Ville sur l'évolution historique des inégalités au Canada reste une référence très utile, reste très importante. Mais la nouvelle étude qu'on va avoir aujourd'hui va beaucoup plus loin dans au moins trois directions. Alors, une première direction qui, je pense, va beaucoup intéresser au Canada, c'est qu'on a des décompositions dans des différentes provinces, dans les différents États du Canada. Et donc, on peut voir le Québec par rapport à l'Ontario. Ça, c'est vraiment une des directions dans lesquelles on veut aller.
différences de sources entre les provinces, les questions sont différentes, mais on a des résultats qui ressortent à la fois sur le Québec plutôt moins inégalitaire que l'Ontario. Mais bon, là, je crois que les auteurs présenteront tout ça plus en détail, mais vraiment très intéressant. Donc ça, c'est la première dimension vraiment très, très, très importante. La deuxième, c'est de ne pas s'arrêter au haut de la distribution et de ne pas s'arrêter aux revenus imposable au titre de l'impôt sur le revenu, donc essayer d'intégrer autant que possible, donc dans l'approche des comptes nationaux distribués, l'ensemble des revenus qui sont comptabilisés dans la comptabilité nationale. Donc ça nous semble très important au laboratoire sur les inégalités mondiales, parce que trop souvent, il y a une espèce de déconnexion entre le débat, disons, macroéconomique et le débat microéconomique au niveau du pouvoir d'achat des ménages. Donc, on a un débat macroéconomique qui nous annonce régulièrement des chiffres de croissance, etc. Et puis après, les ménages en chair et en os qui peuplent la répartition des revenus ne retrouvent pas toujours cette supposée croissance dans leur pouvoir d'achat. Et donc, c'est très important d'arriver à répartir l'ensemble des revenus qui sont comptabilisés dans la comptabilité nationale, quitte à se rendre compte d'ailleurs dans certains cas que les revenus comptabilisés dans la comptabilité nationale ne sont pas de sont peuvent être parfois surestimés, sous-estimés. Enfin, ça peut arriver pas forcément au Canada, mais dans des pays où avec des très très fortes croissances en Chine et en Inde, on a parfois vraiment beaucoup de mal à retrouver du côté des ménages cette croissance. Donc c'est un exercice aussi pour essayer de questionner les comptes nationaux, essayer de les rendre plus concrets et de bah, voilà, si un gouvernement annonce qu'il a telle ou telle croissance, on aimerait bien savoir les différents groupes sociaux qui en ont bénéficié ou pas bénéficié. Donc c'est un exercice de transparence qui pour l'instant n'avait pas été mené jusqu'au bout au Canada. Et donc ça, c'est le deuxième grand apport de ce travail avec donc la décomposition entre provinces. Il y a le fait donc d'essayer vraiment de faire cet exercice de comptes nationaux distribués, donc de répartir l'ensemble des revenus faisant partie du revenu national. Et puis le troisième grande nouveauté, c'est d'aller aussi jusqu'au bout d'une approche avant impôt et après impôt et transfert, d'essayer vraiment de s'intéresser à la redistribution de façon très détaillée. Et évidemment, ça change beaucoup les choses parce que sur le long terme, il y a eu un développement disons, de l'état social en général, des différentes formes de redistribution qui, sur le long terme, ont été quand même un immense succès dans les pays développés, en Europe occidentale comme en Amérique du Nord. Et je pense que c'est très important de rappeler cette dimension aussi, disons, positive et optimiste de notre approche au laboratoire sur les inégalités mondiales et sur laquelle j'ai essayé d'insister dans mon dernier ouvrage sur ma brève histoire de l'égalité, le fait que sur le long terme, il y a un mouvement vers plus d'égalité socio-économique, alors qui parfois n'est pas aussi linéaire qu'on voudrait, il y a des périodes de retour en arrière, notamment au niveau de l'inégalité avant impôts et transferts, mais quand on intègre les impôts et transferts, on a une vision qui est quand même OK. Un peu plus positive. Et puis surtout, ça montre les marges de manœuvre politiques, les politiques publiques qui pourraient être réajustées, la progressivité fiscale, l'organisation du système de transfert, y compris les transferts en nature, à travers notamment le système d'éducation et de santé. Donc voilà, c'est toutes ces dimensions, à la fois de variations régionales, entre provinces, prise en compte de l'ensemble du revenu national, des comptes nationaux et prise en compte de la redistribution et de, disons, l'économie politique de la redistribution des transferts de l'impôt, sur lesquels cette étude fera date. C'est-à-dire qu'on n'avait pas avant sur le Canada une étude aussi poussée. D'ailleurs, il y a très peu de pays dans le monde, je veux dire, où on a des résultats aussi poussés. Donc voilà, merci beaucoup Camille, Mathieu, François, Silas, qui était il y a peu un de nos brillants jeunes étudiants à l'École d'économie de Paris et qui a retraversé l'Atlantique et qui, j'espère, retraversera un moment l'Atlantique pour revenir nous voir aussi à Paris. Et voilà, je pense que toutes ces collaborations transatlantiques et en particulier entre la France et le Québec sont vraiment très importantes pour nous tous. Donc, vraiment, c'est formidable qu'on soit là aujourd'hui. Je le dis d'autant plus que moi, je n'ai rien fait. J'ai le plaisir de simplement découvrir cette étude, dont j'avais vu quelques drafts, versions précédentes au cours des derniers mois, des dernières années. Mais vraiment, merci, merci beaucoup, François, Massiou, Camille, Silas, pour tout ce travail. Et voilà, sans plus attendre, je vous laisse la parole et je sais qu'on aura après un temps de questions auxquelles je serais content de participer aussi tout à l'heure, mais bon, le plus important, c'est d'abord vos résultats et les réponses que vous apporterez tout à l'heure aux questions qui seront posées. Merci beaucoup.
Parfait. Merci beaucoup, Thomas. Donc, je partage avec Thomas le plaisir de n'avoir rien fait dans l'étude. Donc, je suis également très heureux d'être ici à titre de simple animateur. Je vous répète donc la petite boîte en bas, Q&A ou questions-réponses pour inscrire vos questions. Thomas va rester avec nous jusqu'à la fin. Donc, on pourra prendre des questions sur l'étude et des questions aussi, si certaines sont ciblées pour Thomas, il pourra lui répondre. Le temps est maintenant venu de passer et de donner la parole aux auteurs de l'étude. Donc, il y a déjà eu des études, comme Thomas le soulignait, faites sur les inégalités au Canada, mais là, il y a des innovations dans celles-ci. Donc, les deux premiers intervenants aborderont davantage la méthodologie qui a été appliquée pour l'étude et les deux derniers présenteront davantage les résultats. Donc, dans un premier temps, Silas Zureb, pardonnez-moi si je prononce un peu mal son nom, est actuellement doctorant à l'Université du Massachusetts et chercheur, comme Thomas le soulignait, au Laboratoire des inégalités mondiales. Il sera accompagné de Matthew Fisher-Pose, qui est également chercheur au Laboratoire sur les inégalités et associé au Paris School of Economics. Donc, c'est eux qui vont d'abord présenter la méthodologie. Et ensuite, François et Camille, donc François Delorme, professeur associé à l'Université de Sherbrooke et chercheur au Laboratoire sur les inégalités mondiales, ainsi que Camille, qui étudie présentement au London School of Economics, qui était avant chercheur à la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'université. Donc, eux présenteront les résultats. Donc, je vous laisse aller. Prenez tout le temps requis pour présenter l'étude. Les résultats nous semblent importants. On vous cède donc la parole. Bon, merci Luc, merci Thomas. Et je voudrais vous remercier à tous qui sont venus aujourd'hui à cet événement. C'est un grand plaisir de vous voir ici. Et bon, veuillez excuser si je changeais à l'anglais pour les prochains dispositifs. Pour moi, l'anglais est un peu la langue de la recherche, mais après, on serait bien content de répondre à la moindre question en français ou bien même en espagnol. Bah, suivons. First. I want to put this study in context with an overview of what is distributional national accounts, what we do for methodology, and why we feel this study is more comprehensive than what else you may have seen in the literature and popular imagination on Canadian inequality. And then we'll go to Silas for more detail on the results for all of Canada, to François for insights on Quebec-specific results, and to Camille for a comparison between Quebec and other provinces. And then we will conclude with some time for questions moderated by Luc and a closing word. So the brief introduction to the distributional national accounts approach would go back at least 20 years on the study of inequality, or all the way back to the time of Simon Kuznets and other path-breaking economists, if you like. And there's a consortium of researchers at the World Inequality Lab, with now more than 150, who have dedicated themselves to studying long-run trends in the share of income held by the top of the income distribution, which could usually be calculated from income tax data for mostly high-income countries with an income tax. This was the World Top Incomes Database. However, due to changes in tax rules and data tabulations, one would not always be measuring the same income concepts and the same people from year to year within a country, let alone across countries for global comparison. And so this has been the goal of the subsequent project, which is our World Inequality Database. And we've now expanded the earlier idea of studying taxable income inequality to study all types of income for all people. So 100% of the income in GDP in the national accounts and for all Canadians. Moreover, we're able to analyze all types of taxes and transfers. So we can have a concept of income that goes from pre-tax income, what one earns on the market, including pensions as deferred compensation, to post-tax income after subtracting all taxes paid and adding back all transfers received. And we use all relevant sources of data to put together these comprehensive estimates. Next. So here's a brief list of DINA studies that have been done in other countries. Previous studies, there's the well-known studies in the US and in France and even in China. And there are studies in all of Europe, all of Latin America, or at least many countries therein,
all of Africa using survey data, several important countries in Asia, and yet no such study had been done for Canada, and not at the province level, and not for both pre- and post-tax income concepts with a detailed analysis. Here are some of the studies that had been done in Canada, and noting especially Saez and Veal in 2005, which brought the earlier notion that we mentioned of fiscal or taxable income observed by the tax authorities, a concept they, you know, with which they were able to go all the way back to 1921. And a partner, Brian Murphy of Statistics Canada, was able to bring these statistics online and release the updates every year under the aegis of official government statistics, even at the province level, which is one of the notable examples we've seen of public efforts for data transparency and transparency on inequality, short of releasing anonymized microdata. And then Statistics Canada also, the division that publishes national accounts, has joined an OECD initiative to study the distribution of strictly household income, which is a great effort. And they're even publishing these estimates on a quarterly basis now, but with the notable absence of some capital incomes in the corporate sector. So we would argue that they're underestimating inequality, the same as one would do with strictly tax data. And we'll have a bit more to say on this later. So in this study, in the tradition of those international studies with a comprehensive methodology in the first application of distributional national accounts, fully distributing national income to all Canadians. In Canada, it's the first to do so also on a pre- and post-tax basis, so as to see the net effect of fiscal policy. And worldwide, it's the first to do so at the province level. So we're able to examine province-level differences in both inequality and in fiscal policy, with some suggestive evidence on the extent to which progressive fiscal policy can even be correlated with lower inequality. And we're able to cover back from 1982 with detailed tabulations from Statistics Canada. And we connect this historically to the archive work of Saez and Veal. And with the latest release of Statistics Canada, administrative tax data, we're also able to extend these estimates to the year 2021, with some analysis of pandemic era economics and public policy. So here is a headline result on the long run picture of inequality in Canada. It's a simple graph, but a lot of work has gone into producing a figure like this one. And we can turn to Saez and Veal for the 1920 to 1945 picture, or really all the way up to 1981, and use a simple adjustment to match their methods and data to ours for the period since 1982. And the rest of this presentation will focus on the years 1982 to 2021 with data from the Longitudinal Administrative Data Bank of Canadian taxpayers. But this graph gives us some context that perhaps economic inequality was particularly volatile during the Depression and World Wars, but in the 21st century, we could still say that Canadian inequality has risen to levels not seen since the end of World War II. And if we zoom in on the period where we have our detailed data, it is worth highlighting the dynamics of pre- and post-tax inequality for all of Canada. And again, this includes all incomes and all people. So if we look at the graph on the left, this is a pre-tax market income, essentially. The top 10% of earners, the middle line in dark blue, ending at 36.3 in 2021. So the way to interpret this is that the top 10% of Canadian income earners take home 36.3% of total income in Canada. By contrast, the next 40% of earners from the middle of the income distribution, the 50th percentile, to the upper middle class, 90th percentile, took home only 46.4% of income in 2021, again, before taxes and transfers. And finally, the lowest 50% of earners from the poorest workers in Canada up to the 50th percentile of the distribution together took home only 17.3% of national income before taxes and transfers. And you can see the dip in 2020 as well. And now if we look at the graph on the right, we can see to what extent taxes and transfers moderate the effect of the market on income inequality, the change between pre-tax and post-tax inequality. And so, again, if we focus strictly on the top 10%, we still see this significant rise in inequality through the early and mid-2000s, but fiscal policy has done some work to reduce that number. And meanwhile, the bottom 50% also does not suffer as sharply when we take fiscal policy into consideration.
but rather the gains at the top have been largely at the expense of the middle class. And we will come back for some hypotheses and further explanation and ideas on this front later in the presentation. But an interesting side note here, if we take the pre-tax ratio of top incomes to bottom incomes, the top 10% to the bottom 50% average incomes, the ratio of those incomes went from 6.6 in 1982 to 10.5 in 2021. So in other words, the average income earner in the top 10% earns more than 10 times the amount that the average income earner in the bottom 50% earns. And the post-tax equivalent of this ratio went from 5.1 in 1982 to 6.5. So despite the progress that we might say against inequality since 2005, we can still say that post-tax inequality in 2021 is what pre-tax inequality was in 1982. So fiscal policy has responded to the rise in inequality, but not as fast nor to the same extent as inequality itself has risen. Finally, before I pass the microphone to Silas, we can see visually just how well the top earners have done in Canada over the past 40 years. Holding aside for a second the question of social mobility or income mobility, the ability of someone born poor to become rich and do some re-ranking over time across individuals or families. If you're in the top 0.01%, you can expect your real inflation-adjusted level of income to have risen by more than 300% since the mid-1980s. And so indexed to 100, your income score is now at 450% of its 1982 value. And in the rest of the top 1%, you're still doing well with a nearly 150% increase, or a level nearly 250 if indexed to the 1982 level. Now, for the rest of the 99%, or more clearly for the lower 90%, growth has been very slow. And for the bottom 50%, you can see that the group is barely treading water for 40 years, which is a long time to tread water. In other words, income growth is basically correlated with your position on the income distribution, and to a striking degree. And this will be even more striking in Quebec. On verra avec François, même après les impôts et les transferts. But with that, let me pass the microphone to Silas. OK, merci beaucoup, Matt. Alors, moi aussi, je vais présenter principalement en anglais, mais je peux répondre à vos questions après en français ou en anglais. So I'm going to talk a bit more. One of the biggest questions we typically get is, you know, what is the difference between the standard kind of estimates of income inequality that Statistics Canada publishes and the DINA distributional national accounts approach. So this is one way of kind of visualizing what we're adding here. So the black line on this figure here is the proportion of net national income that we observe each year in the longitudinal administrative database. So that's the primary database of tax filers that StatsCan uses to publish these inequality statistics. And so when we tally up all the income that we observe in there and compare it to the net national income, it's typically on average about 2/3 of total income that we see in this database. So really the question for DINA is, where is this other third of income going? How is this distributed? And so one way to look at this income is to separate it into capital and labor income. So on here, the capital income is in orange and the labor income is in green. So you can see that, first of all, the majority of the green, the labor income, is going to be observed in this longitudinal administrative databank. And so there's a little bit that is not included, about a quarter of it, which is partially due to non-filers. You know, about 5% of the population above the age of 20 doesn't file taxes each year. Some of it might also be due to things like taxes on production, with some smaller other things that we don't observe here. But basically, what we've done is we've added in basically the distribution of non-filers. So we have to make some assumptions about that, but we have some data comparing tax data and survey data to help us estimate the distribution of income among non-filers. And then the remaining labor income, we just distribute the same as the observed labor income. And then what's really gonna affect the distribution here is this capital income. So the observed capital income in the LAD is only about 30% of total capital income. And so this is where we end up seeing kind of shifts in the numbers from the standard numbers to the distributional national accounts numbers.
And so capital income generally is distributed a lot less equally than labor income. And so this is going to increase the top 1% shares because we distribute most of this unobserved capital income is undistributed corporate profits. And so we distribute this according to our best estimates of the distribution of basically corporate ownership, which we kind of proxy by looking at the observed distribution of capital income that's associated with owning corporations. So investment income, dividends, and stuff like that we do observe in the tax data. Next. And so to visualize what impact this ends up having on our estimates, here the solid lines are the distributional national accounts estimates of the top 1% shares. The dotted lines are the just directly using the Statistics Canada LAD numbers. And so you can see when we move from the dotted line to the solid line, we're seeing an increase of about kind of 1 to 2 percentage points of the top 1% shares. And this is a little bit bigger in kind of the mid-2000s, a little bit smaller more recently. And I'll touch on why that might be later as well. There's two different, we also show here the green lines are using the equal split definition. So I don't want to get too into the details here, but basically this means that we add up the incomes of spouses and divide it equally amongst the two. Whereas what you see in the orange lines, which is typically what is shown online and in the Statistics Canada numbers, is just for individuals. So there's no adjustment for kind of your family income. And so moving to this equal split actually reduces the top income shares a little bit. And so the kind of benchmark series for distributional national accounts is this the green solid line, which is actually not that different from the orange dotted line, which is typically shown in the Statistics Canada data. So next, I'm going to turn slightly to what we've learned about the causes of growth from the 1980s. The growth in inequality from the 1980s through the mid-2000s. So here we can see the top 0.01% share and the top 1% share over time, over this 40-year period. And it's broken down by capital and labor income. And so what we see here is that at the beginning, in the 1990s and 1980s, it's really the dark blue, the labor income, that's kind of driving this increase in the top shares. And this is the story that has previously been out there in the Size and Veal paper, for example. But then what we see in kind of the late 90s, early 2000s, is it's really this kind of bubble in capital income that is driving the really peak in inequality that we see in kind of the 2005, 2006 is when inequality peaked in Canada. And this coincides with the years with the highest capital income share in Canada. So it was about 25% up from in the high teens in the 1880s, 1980s and 90s, and now it's kind of back down to around 20%. So next, just to kind of situate this in the previous literature, again, Size and Veal had kind of argued that what was driving inequality growth in Canada in the 80s and 90s was basically a lot of competition with the US for these top executives. And so to retain executives in Canada, companies were being forced to pay more and more for these top executives because the top incomes were rising so much in the US as well. But their data ended in 2000. And so our data, I think, adds to this a little bit to show that although this might have been true in the 80s and 90s, there's something else kind of driving the growth in inequality in the early 2000s. And this could be associated with rising oil prices and financialization. In other work, we've shown that there's especially large surges in the top incomes in the oil and gas and finance industry in this period. So next, so I want to touch a little bit more in detail on the experience of inequality during the pandemic. I think this can show us a lot about the impacts of fiscal policy, what it can do and what it can't do. So on the bottom here, first, we see the bottom 50% shares in the last 3 years, basically 2019 through 2021. And we see in 2020, when the pandemic hit, we see an increase in the a decrease in the pre-tax share for this group, but at the same time, an increase in the post-tax share. And so this is really showing that, low-income people were
were hit hardest by the pandemic, of course, more likely to be laid off and stuff like that. But the significant transfers, right, CERB, these other transfers, were so large that they actually totally offset this effect and actually increased the share of income going to this group. There was less of an effect for the top 1%. In 2020, they basically stayed stable. But in 2021, we actually see this big surge in top 1% shares, both pre-tax and post-tax. And so now the bottom 50% gains have basically been eliminated. So next, show this kind of in another way here. So basically, you might have seen these narratives in the news in 2021, right? 2021, we also had a significant inflation and record level corporate profits. And so we can really see in 2021, if you look at the right here, very significant increases in pre-tax capital income occurring to the top 1%. And so this is really driving the increase in the top 1% share that we see in 2021. So basically, we can see that fiscal policy can reduce inequality like it did in 2020, but these effects were temporary. And the surging corporate profits in 2021 have basically undid and kind of taken us further, and we're seeing inequality start to increase again. So next, I'll just wrap up here and then pass it to François. So this is just an international comparison, kind of situating Canada amongst kind of similar comparable countries. And so, of course, the U.S., this is the top 1% share here. The U.S. is far, far ahead of Canada in terms of inequality. But Canada is kind of right in the middle of other similar countries, France, the UK, and Quebec is there as well, pretty similar to Canada right now. So with that, I'll pass it to François to talk a bit more in detail about the Quebec results in particular. Alors, merci Silas. Alors, comme Matt l'a souligné, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui va sur les résultats, pour présenter les résultats qu'on va présenter aujourd'hui. C'est une première pour le Québec également. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de présenter les tendances sur l'échantillon qui est disponible avec les données de Statistique Canada. Alors, ce qu'on voit ici, on présente dans le panneau, la partie de gauche, les revenus avant impôt par percentile de 1982 à 2021. Et après, comme Matt et Silas l'ont souligné pour le Canada, on a l'effet de la redistribution et de la progressivité de l'impôt, donc de la politique fiscale, en regardant le revenu national après impôt. Et la grande conclusion que l'on peut tirer de ces résultats, c'est que quand on compare les données avant impôt, on voit que les bas revenus en pâtissent de 82 à 2021, mais si on se transporte du côté droit avec les percentiles 0 à 49, on voit qu'ils ont été soutenus par le système redistributif et le filet social qui prend place au Québec. Quand on regarde les résultats en ce qui concerne les niveaux intermédiaires, ce qu'on pourrait grosso modo associer à la classe moyenne, eh bien, on voit qu'avant impôt, ils ont perdu du terrain en termes de leur part relative, et ils en ont perdu également quand on regarde, on se concentre sur le revenu après impôt. Donc, on ne voit pas le résultat où la classe moyenne a été soutenue par la redistribution du système fiscal comme les bas revenus l'ont été. Et quand on regarde, on se concentre sur les hauts revenus, le 10 % le 1 % eh bien, on voit que la captation de la richesse ou du revenu agrégé a été beaucoup plus importante après impôt qu'avant impôt. Et donc, on peut voir que pour cette période-là, en tout cas, les inégalités se sont vraiment exacerbées en haut de la distribution. Alors, on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors ici, on voit un graphique similaire à ce qui a été présenté par Silas pour le Québec avec le revenu après impôt.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est l'exacerbation des inégalités quand on va au niveau granulaire et plus fin chirurgical là, des tranches de revenus. Alors, on voit très bien que ben, la part, avec, si on part d'une période là, avec un indice 100 en base 100 en 1982, ben, on voit très bien que la captation du revenu du 0,01% a explosé par rapport aux autres tranches de revenus et surtout à la classe moyenne et aux revenus plus faibles. Il peut y avoir un effet de période ici et si on peut passer à la suivante. On va voir que si on se concentre sur la dernière partie de la période de 2000 à 2021, bien, on voit que cet effet-là est moindre. Et donc, on peut penser que, on peut en conclure en tout cas, que l'exacerbation des inégalités, c'est surtout fait de 1982 à 2000 plutôt que dans la dernière partie de la période. Alors, on peut passer à la suivante. Alors ici, on présente le ratio des 1% sur les 50% inférieurs. Alors, un genre d'indice de palmant, si on veut, sophistiqué. Mais ici, ce qu'on voit, c'est on voit vraiment que la part relative des 1% par rapport aux bas revenus, aux 50% inférieurs, a augmenté jusqu'en 2004. Et 2004, là, on voit une chute. Tranquille, progressive, jusqu'en 2021. Donc, ça traduit aussi le fait que les inégalités ont augmenté beaucoup dans les années 80, les années 90, mais ont culminé en 2004 pour ensuite plutôt se stabiliser, comme Thomas l'avait souligné en ouverture de conférence. Alors, on peut continuer. Alors ici, on a la décomposition des 1% et des 50%. Donc, on voit très bien que le 1% augmente sa part relative jusqu'en 2004-2005 et commence ensuite à décliner, tandis que ici, on parle du revenu après impôt. Donc, on voit que les 50% inférieurs ont été vraiment soutenus à partir des années 2008, après la crise financière, jusqu'en 2020. Où on a eu tout le soutien des gouvernements pendant la pandémie et ensuite on a une baisse en 2021. Donc, on peut poursuivre. Je pense que c'est au tour de Camille. Alors, Camille, je te cède la parole. Merci beaucoup. En effet, merci beaucoup, François. François vient de présenter un peu l'état et l'évolution des inégalités au Québec selon les résultats tirés de la méthodologie des comptes nationaux distribués. Mais comment se comporte le Québec par rapport aux autres provinces ou régions canadiennes? C'est maintenant le sujet chaud du moment. Donc, le graphique qui vous est présenté à l'instant représente la part du revenu qui est attribuée au top 1% de la distribution des revenus, et ce pour avant le revenu avant impôt. Donc, on remarque qu'au début des années 1980, le Québec, qui est représenté par la ligne bleue royale, se situe en bas de peloton, signifiant que la part de revenu qui est attribuée au top 1% était parmi les plus faibles au pays. Cependant, plus on avance dans le temps, on réalise qu'en 2021, le Québec se trouve actuellement parmi les juridictions dont la part du revenu des 1% les supérieurs de la distribution des revenus est les plus élevées et sa part de revenu est comparable à celle, par exemple, de l'Ontario, de l'Alberta et de la moyenne canadienne. On entend cependant souvent dire que le Québec a un système d'imposition qui est plus progressif que les autres provinces. On va maintenant voir si les résultats tirés de la méthode des comptes nationaux distribués soutient cette affirmation. Super. Le graphique qui vous est présenté à l'instant représente la différence du revenu avant impôt et après impôt. Donc, on parle de la différence entre les deux du top 10% selon les différentes régions canadiennes. Donc, on remarque qu'initialement, au début des années 80, la différence connue entre le revenu avant impôt et après impôt du top 10% au Québec était parmi les plus faibles, signifiant qu'à ce moment, le système d'impôt était moins progressif que les autres juridictions canadiennes.
Cependant, plus on avance dans le temps, on remarque qu'à partir de la fin des années 1990, le Québec commence à se démarquer, avec la ligne bleue royale encore, par une différence qui est de plus en plus grande pour encore se situer en 2021, avec la différence la plus importante de l'ensemble des juridictions canadiennes. Ce qui vient un peu corroborer l'affirmation que le Québec a un système d'impôts plus progressif que les autres juridictions canadiennes. Petite note simplement à noter qu'on parle de provinces et de régions parce que certaines régions ont été agglomérées ensemble, donc on parle des maritimes et les prairies, puisqu'il est difficile d'appliquer la méthodologie des comptes nationaux distribués sur des très petites régions, donc c'est pour ça qu'on a fait un choix d'agréger ces différentes régions. Donc on peut passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui explique le fait que le Québec a aujourd'hui un système d'imposition qui est plus progressif que les autres juridictions canadiennes? On peut le baser sur deux concepts, soit le taux effectif d'imposition et le taux de transfert moyen. Donc, si on se concentre sur le taux effectif d'imposition, grosso modo, ce que ça signifie, le taux effectif d'imposition, c'est sur l'ensemble d'un revenu pour quelqu'un qui se situe dans un décile donné. Si j'ai un taux effectif d'imposition de 0,5, cela signifie que la moitié de mes revenus vont retourner à l'État. Mais il ne faut pas s'arrêter seulement à l'impôt sur le revenu. Donc, ce n'est pas un impôt sur le revenu, mais c'est également tout ce que l'on paye, par exemple, en taxes à la consommation. L'impôt sur le revenu, donc, c'est une agrégation de l'ensemble des types d'imposition ou de taxes que l'on peut percevoir. Ce qui explique également pourquoi on remarque que les déciles inférieurs, donc le deuxième décile, ont un taux effectif d'imposition qui est parfois égal ou même supérieur aux déciles supérieurs. Les déciles supérieurs de la distribution des revenus. La consommation représente une plus grande partie des dépenses relatives aux revenus pour ces déciles, et donc ces déciles ont tendance à payer davantage de taxes à la consommation relativement à leurs revenus. Donc, on remarque que le Québec, encore une fois représenté par la ligne bleue royale, est, à l'exception du deuxième décile, a le taux effectif d'imposition le plus élevé de l'ensemble des juridictions qui sont présentées, ce qui explique pourquoi son système d'imposition est le plus progressif. Cependant, il y en a peut-être certains qui vont rester sur l'idée « Oh, c'est pas normal que les déciles inférieurs aient des taux effectifs d'imposition qui soient aussi élevés, voire plus élevés que les déciles supérieurs », mais c'est là que rentre en compte le taux de transfert moyen. Le taux de transfert moyen, en fait, c'est qu'est-ce que le gouvernement va transférer sous différentes formes aux déciles, puis on s'arrête au cinquième décile parce qu'après un certain moment, le taux de transfert devient très, très près de zéro, là, surtout vers les déciles supérieurs. Donc, lorsqu'on parle du taux de transfert moyen, c'est tout ce qu'on donne aux déciles inférieurs. Par contre, on peut aussi parler de taux de transfert net, qui est en réalité ce que les déciles inférieurs vont recevoir lorsqu'on soustrait le taux de transfert au taux effectif d'imposition. Donc, par exemple, si on prend le deuxième décile, on remarque que le taux de transfert moyen est de 0,94 au Québec pour un taux effectif d'imposition de 0,49, ce qui signifie qu'en réalité, ils reçoivent 45 % de transfert. Et donc, il ne faut pas trop s'inquiéter du taux effectif d'imposition qui est très, très élevé, là, qui peut poser certains problèmes là, lorsqu'on regarde le graphique visuellement. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux graphiques ici? On a deux grandes conclusions, soit que le Québec a le taux, a le système fiscal le plus progressif des juridictions qui sont présentées, mais également qu'il a le taux de transfert moyen le plus élevé pour les déciles inférieurs et a donc un effet redistributif plus important que les juridictions qui sont étudiées. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. On vient de statuer que le Québec a un système d'imposition qui est plus progressif et qui a des effets redistributifs plus importants. Voyons voir si ça s'applique également lorsqu'on fait un zoom sur la comparaison entre l'Ontario et le Québec. On remarque que la distribution des revenus pour les 10 % supérieurs, les 40 % intermédiaires et les 50 % inférieurs de la distribution des revenus avant impôt est très, très similaire pour l'Ontario et le Québec. On voit l'Ontario à gauche et le Québec à droite et des variations très similaires, des chiffres qui sont à peu près à maximum 2 points de pourcentage de différence. Donc, très, très comparable. Donc, on voit qu'avant impôt, on est comparable à l'Ontario. Cependant, si on peut passer à la prochaine diapositive, on remarque que la différence entre la ligne bleue royale, qui est en fait la ligne centrale des deux graphiques, et la ligne bleue pâle, qui représente la différence entre le 10 % supérieur et les 50 % inférieurs de la distribution de revenus est beaucoup amenuisé du côté du Québec par le fait qu'on va progressivement taxer plus le haut de la distribution et avoir des effets redistributifs qui sont plus importants dans le bas de la distribution
comparé à l'Ontario, où est-ce que la différence entre le top 10 % de la part de revenus détenue par le top 10 % et la part de revenus détenue par le 50 % qui est beaucoup plus importante. Donc, je céderai maintenant la parole à Matt qui va conclure la présentation de l'étude, si ça vous va. Merci, Camille. So to conclude, I think we can highlight a few things that the colleagues just pointed out. From Silas, the importance of capital income, and particularly as it's unobserved by Statistics Canada, and perhaps for good reason if it's more difficult to tax. And so this can both highlight some of the interest of our study, but also some of its importance in the dynamics of inequality. And the importance of oil revenues and financialization in particular to help explain the overall increase in inequality. And then that the increase in inequality in Quebec has been among the most significant, and even more than in Canada total. So even with the most progressive fiscal policy, we haven't necessarily been able to slow the growth in inequality. And if we bring this back to the view from 10,000 feet, let's say, this is the first DINA for Canada, the first to do pre and post-tax estimates for Canada with detailed data and a comprehensive framework, and the first to do these things at province level, even among DINA studies worldwide. And we've seen significant increases in inequality in Canada, peaking around 2005, but today still remaining not far from that level. And while fiscal policy has done much to reduce inequality, en gros, it has not moved as fast as inequality has risen. And so today's inequality after taxes and transfers is equivalent to pre-tax inequality 40 years ago. Another takeaway to remember, I think, is that inequality in Ontario is greater than Quebec, perhaps most explained by fiscal systems. Some of the peak inequality was in Alberta, likely related to oil and natural gas, and that fiscal policy in Quebec is the most progressive, although this did not prevent the top 0.01% in Quebec from growing faster than in other regions. And we saw in 2020, in the past few years, what fiscal policy can do. And so it's sort of a question of what comes next. Le suivant. And we have some explanations for inequality and fiscal policy, and including the race between technological change and human capital education and labor market forces. But on that note, I think it's safe to say that further research can be done, that this can be the start of a productive collaboration between the World Inequality Lab and the Charles Fiscal, that there's more to do, and we'll look forward to diving deeper on these points. And finally, let me extend a generous thank you to Statistics Canada. I hope Paul Roberts is here and his team, for sharing in the journey of gathering this data and understanding what we're looking at. And to the team at the World Inequality Lab, especially Alice, Thomas, and to the team at the Charles Fiscal, Luc, Susie Saint-Cerny, and to our colleagues and research assistants over the years. Je vous remercie de votre attention. Avec ça, je pense qu'on serait prêt à recevoir vos questions. Et je passe le microphone à Professeur Godbout afin de modérer ses interventions. Merci encore. Parfait. Merci, merci beaucoup à vous quatre, là, Silas, Mathieu, Camille et François, pour votre présentation de l'étude. Effectivement, nous voilà rendus à la période de questions. La première qui est arrivée quand même assez rapidement dans la boîte de Q&A, je crois qu'elle concerne M. Piketty. Ça concerne la récente étude américaine là, de Houghton and Splitter, qui a été acceptée dans une revue là, et qui arrive avec des données fiscales de long terme, arrive avec des résultats différents. Donc, la question concerne un peu qu'est-ce que ça vous inspire concernant les différences de méthodologie ou de résultats. Alors d'abord, cette étude Houghton Splitter, elle est pas nouvelle. En fait, c'est une étude de 2019 à laquelle on a déjà répondu de façon très détaillée avec Emmanuel Saez et Gabriel Zucman. Et il y a un article qui s'appelle Simplified Distributional National Accounts qu'on a publié en 2019 dans l'American Economic Review. Il y a une version Working Paper, NBER et Will que vous trouverez facilement sur les sites d'Emmanuel, Gabriel et le mien. Et leur étude, malheureusement, n'a toujours pas changé depuis 2019, c'est-à-dire qu'on avait déjà demandé beaucoup de corrections à leur étude en 2019 et qu'ils n'ont pas tenu compte. Donc bon, là, le Journal of Political Economy a finalement décidé de leur publier leur étude sans correction, ce qui est dommage. Enfin bon, en fait, il n'y a rien de nouveau, on y a déjà répondu en 2019. Alors,
Très rapidement. Moi, je veux dire, c'est une très bonne chose qu'on ait des débats sur la question de la mesure des inégalités. Le fait que le Journal of Political Economy et l'Université de Chicago s'intéressent aux questions d'inégalités, ce qui n'a pas toujours été le cas, est une excellente nouvelle. Le fait d'insister sur les transferts reçus par le bottom 50%, qui est une des choses sur lesquelles insiste l'étude d'Auden-Spiegler, mais bon, on l'avait déjà fait avant dans le cadre des DINA pour les États-Unis, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on est tout à fait d'accord sur le fait de prendre en compte les transferts, et on vient de le voir là sur le Canada, reçus par le bottom 50%, c'est vrai que ça permet d'atténuer la chute du bottom 50%. Même on l'a vu pour le Québec, ça permet même d'atténuer presque complètement, et même la part du bottom 50% augmente un petit peu après transfert, alors qu'elle diminue avant transfert. Alors sur les États-Unis, on n'en est pas là, et même Auden-Spiegler reconnaissent que après prise en compte des transferts, la part du bottom 50% diminue quand même sur la période. Donc, il ne faut pas exagérer sur l'optimisme. Et je veux aussi dire que du point de vue du bottom 50%, c'est-à-dire quand même la moitié de la population, les transferts, bon, c'est bien, c'est toujours mieux d'avoir des transferts que de ne pas avoir des transferts, mais les gens préfèrent vivre de leur travail et avoir des salaires, avoir des emplois avec des bons salaires. Et donc le fait de simplement compenser avec des transferts, surtout quand ça ne compense pas complètement, notamment dans le cas des États-Unis, c'est pas une situation satisfaisante et qui est tenable à long terme. Et donc il faut s'interroger, hein, plutôt que de s'émerveiller de cet effet des transferts. Que ce soit d'ailleurs pour les États-Unis, le Canada ou tous les autres pays, il faut s'interroger sur pourquoi, dans la formation des revenus primaires avant impôt, la part du bottom 50% diminue structurellement. Parce que là, ça pose des questions sur les inégalités du système éducatif, ça pose des questions sur le déclin du rôle des syndicats et plus généralement la participation des salariés dans les choix économiques qui sont faits dans les entreprises, dans la formation des salaires, dans les négociations salariales. Enfin, ça pose beaucoup de questions de fond, disons, sur la formation des inégalités primaires. Et donc, voilà, Auden-Spiegler s'émerveille des effets des transferts pour diminuer la chute du bottom 50% aux États-Unis. Il n'y a pas de quoi s'émerveiller. Et pour finir, dernier point, là où Auden-Spiegler sont vraiment quand même assez limites, c'est que pour essayer de limiter l'idée d'une augmentation de la part des très hauts revenus dans le total, ils font toute une série d'hypothèses qui, alors là, sont vraiment problématiques. C'est-à-dire, pour résumer, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce débat, mais au niveau du revenu fiscal, c'est-à-dire du revenu qui figure dans les déclarations de revenus, tout le monde est d'accord sur le fait que la part du top 1%, du top 10% a énormément augmenté aux États-Unis au cours des 30, 40 dernières années. C'est un peu moins fort après impôt qu'avant impôt, mais ça reste très très fort dans tous les cas au niveau des revenus figurant dans les déclarations de revenus. Donc ça, Auden et Spiegler ne contestent pas ça, ça c'est vraiment les données fiscales, on ne peut pas le contester. Ce qu'ils font ensuite, c'est qu'ils font, sans le dire très explicitement, des hypothèses sur les revenus non imposés à l'impôt sur le revenu, de façon à atténuer massivement cet effet, et d'une façon qui n'est tout simplement pas plausible. Et c'est déjà ce qu'on leur expliquait en 2019, c'est-à-dire qu'en gros, Silas d'ailleurs le montrait tout à fait très clairement tout à l'heure sur le Canada, mais c'est la même chose sur les États-Unis. En fait, si, les revenus non taxés, les revenus qui ne figurent pas dans les déclarations de revenus, ce sont notamment des revenus du capital, et ce sont notamment des revenus du capital qui sont beaucoup plus inégalement répartis que les revenus en général, que les revenus du travail en général, et même que les revenus du capital en général. Et donc, nous, on fait plutôt des hypothèses minimalistes avec Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, consistant à dire, bon, on va supposer que les revenus du capital non imposés, quand on n'a pas d'informations supplémentaires, ont évolué à peu près comme les revenus du capital imposés. En fait, sans doute, on sous-estime plutôt les inégalités de cette façon-là, parce qu'il y a plutôt plus d'optimisation fiscale au sommet de la répartition des revenus. Donc, si on avait plus de transparence sur tous ces revenus, ce qui est évidemment ce qu'on souhaiterait, on aurait sans doute encore plus d'inégalités au sommet. Eux, ils font implicitement, et ça, c'est ce qu'on a déjà expliqué en 2019, mais bon, on va le réexpliquer, puisque visiblement, ils ne veulent pas entendre, ils supposent implicitement que, en fait, la partie non imposée des revenus du capital est incroyablement égalitaire aux États-Unis, encore plus égalitaire que la distribution des revenus du travail, et restée ou même est devenue encore plus égalitaire au cours des 40 dernières années. Tout ça pour faire diminuer la tendance à la hausse des inégalités sur les revenus imposables.
Très franchement, c'est pas très crédible et je pense que ça rend pas beaucoup service à à la profession. Mais bon, écoutez, c'est tout ça n'est pas très grave. C'est bien qu'il y ait du débat, la controverse. Voilà, le fait que l'Université de Chicago s'intéresse aux inégalités, c'est une excellente nouvelle. Et moi, j'ai juste envie de leur dire, voilà, encore un effort, quoi. Il faut continuer, il faut persévérer dans cette direction et voilà, et bon, que le débat continue. Nous, voilà, de toute façon, on va continuer de faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire d'améliorer autant que possible les estimations. Tous les commentaires constructifs, on les prend. Si quelqu'un a des données permettant de montrer que les revenus du capital non imposé sont incroyablement égalitaires dans leur répartition aux États-Unis ou ailleurs, évidemment, on le prendra en compte. S'il n'y a pas de justification pour cette hypothèse, évidemment, on ne va pas. Pas modifier nos estimations pour ça. Mais voilà, le débat continue et c'est très bien comme ça. Parfait, merci. Il y a une question sur, à l'intérieur de toutes vos données que vous avez présentées, on voit quand même qu'il y a des grandes dates, là, la crise financière de 2008, la crise pandémique de 2020. Est-ce qu'il y a, dans le contexte québécois-canadien, il y a eu d'autres dates, là, qui méritent d'être mentionnées en termes de changement dans l'évolution des inégalités? Bien, peut-être que je répondrai dans le cas du Québec. Et Luc, tu es peut-être bien placé là, pour savoir. On voit qu'il y a eu une cassure en 2004 pour le 1% et les revenus supérieurs. Est-ce qu'il y a eu des réformes fiscales, soit au fédéral ou soit au niveau du Québec, qui pourraient expliquer le fait que la tendance s'est infléchie à partir de ce moment-là? Il faudrait chercher, mais peut-être que toi, tu as la réponse là, pour savoir si on sait qu'il y a eu des réformes fiscales là, dans les dernières années au niveau en 2016, l'ajout d'un nouveau barème d'imposition, diminution au niveau d'imposition de la classe moyenne, mais pour le 2004, il faudrait que moi, je cherche un peu là, pour expliquer, mais peut-être que toi, tu as la réponse là. Non, non, je n'ai pas la réponse. Il y a eu des mesures, il y a eu davantage de mesures pour soutenir les gens à bas revenus, par contre, autour des années, début des années 2000, même 2004-2005 au Québec, là, peut-être, dépendamment si c'est une analyse par ratio qui avait été faite, que c'est de cette façon-là qu'on peut l'expliquer, là. J'ai une question sur, je ne prends pas nécessairement dans l'ordre, là, mais on constate depuis le milieu des années 2000 une stagnation des inégalités au Québec et au Canada. Par rapport à la période qui précède. Est-ce que ce constat-là s'observe ailleurs également dans d'autres pays? Est-ce que c'est tous les pays qu'à partir du milieu des années 2000, les inégalités cessent de s'accroître ou c'est un cas unique canadien-québécois? Peut-être dire un mot là-dessus. Globalement, la période post-crise financière de 2008, et disons, alors, est-ce que ça commence avec la crise financière de 2008, de 2005? Non, bon, pour simplifier, la période post-2008, c'est souvent une période de stabilisation des inégalités à un niveau élevé. C'est plus ce qu'on a beaucoup parlé ces dernières années, la fin du néolibéralisme. C'est plutôt la stabilisation, je ne sais pas si c'est la stabilisation néolibérale, mais en tout cas, c'est plutôt la stabilisation des inégalités, parfois une légère baisse, parfois une légère hausse, mais plutôt en général une stabilisation à un niveau qui est structurellement plus élevé que celui qu'on avait en 1980 ou dans les années 1960-1980. Donc ça c'est quelque chose d'assez général. Après, il y a des variations. Bon, par exemple, sur les États-Unis, sur les toutes dernières années, là, 2020-2021, 2022, les premières données qu'on a sur 2022, mais les données de 2021 sont très claires, c'est qu'on a plutôt une réaugmentation, le top 1% est plus haut que a nettement dépassé son niveau d'avant la crise de 2008. Et sur la France aussi, d'ailleurs, on a aussi ces résultats. Alors après, ça peut être lié à des politiques particulières aux États-Unis, là, de subventions à l'investissement privé qui peuvent doper des très hauts revenus. En France, il y a eu des politiques ces dernières années qui ont plutôt beaucoup favorisé des très hauts revenus. Bon, après, voilà, il peut y avoir des variations suivant les pays qui sont intéressantes à étudier et sur lesquelles on n'a pas encore peut-être assez de recul pour bien faire une cartographie complète de tout ce qui est en train de se produire au cours des années les plus récentes.
J'ai deux questions philosophiques à vous poser, puis je vais les jumeler, là. Pourquoi de tels niveaux d'inégalité de revenus existent-ils et quel est leur rôle social à ces inégalités de revenus-là? Pas si vous voulez plonger dans ce type de questions-là. Enfin, je ne sais pas, je peux dire quelques mots très rapidement. Je pense que la question du niveau souhaitable ou acceptable des inégalités est une question d'une très grande complexité, mais qui va continuer d'agiter nos sociétés pendant très longtemps encore et pour toujours. Mais en même temps, il y a, moi j'insiste quand même sur ce, j'y faisais référence tout à l'heure dans mon introduction, j'insiste sur le fait que sur le long terme, il y a un mouvement vers davantage d'égalité, c'est-à-dire que nos sociétés aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut trouver comme insuffisance dans notre système redistributif, sont des sociétés qui sont plus égalitaires qu'il y a un siècle, qui elles-mêmes étaient plus égalitaires qu'un siècle avant, et cette marche en avant vers davantage d'égalité, de prospérité dans le long terme. Je pense que ce mouvement va continuer. Enfin, en tout cas, peu il est souhaitable qu'il continue à long terme. Mais il y a toujours un discours conservateur consistant à dire, voilà, ces évolutions qui ont eu lieu, on ne va pas revenir dessus, c'est une bonne chose. Mais cette fois-ci, il faut s'arrêter là, exactement là. On est arrivé au point où il ne faut surtout pas aller plus loin, sinon le monde va s'effondrer et les incitations économiques vont disparaître. Je pense que dans le long terme, on a au contraire, observer que plus d'égalité est aussi accompagné de plus de prospérité, parce que ça a permis à plus de personnes, plus de familles d'accéder à l'éducation, d'accéder à la propriété. Alors, on verra les études. Moi, j'ai hâte de voir la suite là, sur le Canada, sur les inégalités de patrimoine, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé des inégalités de revenus, mais en fait, les inégalités de patrimoine sont encore plus importantes. Et pour le coup, il y a eu un progrès dans le long terme qui a été limité, et en particulier les 50% les plus pauvres dans tous les pays pour lesquels on a des données, possèdent presque rien, pour résumer. Enfin, toujours moins de 10% du patrimoine total, et généralement moins de 5% du patrimoine total, ce qui pour 50% de la population est quand même très très faible, et ce qui veut dire que 50% des enfants, des jeunes générations aujourd'hui au Canada ou en France n'héritent de presque rien, alors que 10% des enfants héritent de 50-60% du total de ce qui est hérité, ce qui est très embêtant en termes de justice, mais aussi en termes de dynamisme économique, parce que les enfants privilégiés n'ont pas toujours des idées formidablement plus utiles pour la société que les 50% des enfants les plus pauvres. Et donc, voilà, on vit dans des sociétés où on proclame l'attachement à l'égalité des chances, l'égalité des opportunités, mais en pratique, on continue d'avoir des inégalités d'accès à l'éducation, à l'héritage, à la propriété, qui sont extrêmement fortes et qui correspondent pas aux aspirations, à la justice sociale vers laquelle on tend historiquement, mais toujours après des combats, des luttes politiques et sociales souvent compliquées. Mais si je peux ajouter, Luc, juste rapidement à ce que Thomas vient de dire, il y a comme quand même deux courants de pensée en sciences économiques. Il y en a un qui dit, qui soutient que les inégalités sont des dommages collatéraux inévitables de la croissance, et c'est bien dommage. Mais il y a quand même un autre courant de pensée qui nous dit, mais oui, plus d'égalité, comme l'a dit Thomas, amène plus de prospérité, et on ne veut pas arriver à des niveaux d'inégalité où il y a une fracture sociale et donc qui pourrait handicaper une certaine forme de croissance. Donc, il y a comme deux niveau de tension où, ben oui, les inégalités sont inévitables. De l'autre, il ne faut pas arriver à un niveau d'inégalité qui est insoutenable. Et malheureusement, comme pour beaucoup de concepts en économie, on n'a pas un taux d'inégalité ou un niveau d'inégalité optimal. Et donc, ça dépend beaucoup des structures de la société et comment est-ce que le consensus social est bâti autour de la perception des inégalités et la tolérance aux inégalités. Parfait, merci. Puis c'est un peu la question suivante est un peu en lien avec ça. On parle de l'effet qu'auraient pu avoir les fortes augmentations du prix de l'immobilier au cours des 40 dernières années.
Est-ce que c'est seulement pris dans votre indicateur de revenu du capital ou comment on peut l'intégrer là, dans l'impact sur la répartition des revenus ou des inégalités au fil des années? Là? Peut-être que Silas ou Matt. Oui, je peux commencer sur cette question. Je pense que en cours, la croissance dans les prix d'immobilier n'a pas un grand effet sur les inégalités de revenus. Je pense que ça s'apparaisse plutôt dans les inégalités de patrimoine, comme Thomas a dit. Alors, on a besoin de plus de données sur cette question-là. Mais il y a peut-être un petit effet sur les inégalités de revenus parce qu'on a les revenus de rent, de loyer dans nos données ici. Alors, si les loyers se croisent, on va voir ça dans nos données et on verra une augmentation dans les inégalités de revenus de capital comme ça. Merci, Thales. Quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'il y a un problème de commencer vos séries de données avec une année de récession 1982? Là? Surtout si c'est des indices. Là. Bien, nous, il y a deux réponses à ça. On a utilisé le maximum échantillonnal que l'on avait. Donc, oui, on utilise 82 à 2021, puis je pense que c'est ça. Il y a beaucoup d'informations à aller chercher là. J'ai présenté pour le Québec un autre point de départ à partir de 2000, et on voit que les conclusions sont plus nuancées. Donc, oui, on pourrait partir de différents points, mais moi, je tiens à ce qu'on présente la totalité d'échantillons pour les données dont on dispose. Parfait, merci. Il y a une question justement pour toi, François, qui concerne un peu les impacts anticipés des changements climatiques dans les futures mesures d'inégalité. Ah ben ça, c'est une grande question. On sait que les inégalités qui proviennent des changements climatiques sont extrêmement importantes. On sait que les bas revenus vont être affectés de façon plus négative que les personnes qui sont à même de se protéger et de s'adapter plus facilement au niveau des changements climatiques. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aller au-delà de l'empreinte carbone des plus riches, de la classe moyenne et des plus pauvres. Il va falloir maintenant faire plus de recherches au niveau de comment est-ce que les différentes tranches de revenus sont affectées en termes d'adaptation. Et là, c'est là où on est rendu. Et à ce niveau-là, je pense que les travaux de Lucas Chancel sur l'empreinte carbone sont un bon point de départ. Mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin maintenant et explorer davantage les questions de perte de biodiversité et d'empreinte écologique par rapport à l'empreinte carbone exclusivement. Parfait, merci. Chaque fois que je vous pose une question, il se rajoute deux, trois questions dans le... Je vais juste vous avertir, donc il y a beaucoup d'engouement. Il y a une question concernant l'évolution des inégalités, mais est-ce que vous avez des données ou des analyses selon le sexe? Je pense que Camille, tu peux répondre à cette question-là. Oui, en effet, bien, sur le côté de la méthodologie des comptes nationaux distribués, on n'a pas fait l'analyse par sexe. Comme ça l'a expliqué, on a fait le equal split. Donc, entre les conjoints de fait ou les personnes qui sont mariées, on a divisé le revenu en deux. Donc, difficile de dire les effets des sexes. Par contre, dans l'étude qu'on a publiée en octobre, François et moi, on a fait une légère analyse là, sur les sexes. Il y a une section des inégalités par rapport aux sexes dans ce rapport-là. Parfait, merci Camille. Il y a une question ici qui concerne le système de taxation québécois qui ne semble pas freiner de façon satisfaisante la croissance des inégalités à la lumière de ce que vous montrez. Est-ce qu'on devrait envisager une taxation de la richesse? Et si oui, sous quelle forme? En gros, là, comment une taxation de la richesse pourrait être politiquement envisageable et si oui, sous quelle forme? Mais c'est un grand débat. Peut-être que Thomas peut mettre la table sur le principe de la taxation de richesse et on pourra continuer sur, euh,
sur le cas québécois. Alors, peut-être, Thomas, tu peux nous présenter tes positions là, sur la taxation de la richesse qui sont bien connues, là, je crois. Oui, mais là, sur le système québécois, je suis pas le mieux placé pour répondre. Donc, disons que de façon générale, on a vu au cours du XXe siècle, depuis le début du XXe siècle, le développement de systèmes d'impôts progressifs sur le revenu, qui par rapport aux systèmes fiscaux du XIXe siècle, je crois, ont représenté une amélioration assez importante. Par contre, les progrès qui ont été faits sur l'imposition progressive du patrimoine, et aujourd'hui on a d'autres enjeux comme l'imposition progressive des émissions carbone, on a fait très peu de progrès sur le carbone, ça c'est sûr qu'on a fait très peu de progrès, mais même sur le patrimoine, pourtant la question se pose depuis très longtemps, on continue souvent, alors je connais moins bien du côté du Québec et du Canada, mais en France ou aux États-Unis, on a des systèmes qui se basent sur des systèmes de taxes foncières ou de property tax aux États-Unis, qui sont des systèmes qui ont été créés fin 18e siècle, début 19e siècle, et dans un monde où on cherchait pas vraiment à redistribuer les richesses, et on avait un système quand même fiscal qui était très proportionnel par rapport à la propriété, et qui en fait est même en réalité très régressif, parce que vous prenez pas en compte les portefeuilles financiers, vous prenez pas en compte les dettes, et donc deux personnes qui possèdent un logement qui vaut 200 000 euros ou 200 000 dollars vont payer la même taxe foncière ou la même property tax aux États-Unis, alors que peut-être que l'un est endetté jusqu'au cou à 190 000 euros de dollars de dette, et donc en fait un patrimoine net de 10 000 dollars, et voilà, un jour sera propriétaire, mais en attendant on ne possède pas grand-chose et doit rembourser son emprunt à peu près comme un locataire, et à l'inverse le second éventuellement n'a aucun emprunt et a 2 millions de dollars de portefeuille financier, et donc en fait a un patrimoine net de 2,2 millions et va payer le même impôt en montant que celui qui a un patrimoine net de 10 000 euros. Et ça c'est un système très régressif, parce que finalement, celui qui est endetté, qui a un très faible patrimoine net, va payer un taux d'imposition sur son patrimoine beaucoup, beaucoup plus élevé que celui qui a un patrimoine total. C'est une réalité qu'aucun raisonnement économique, enfin aucun modèle économique existant peut justifier un système pareil, à part que ça a été créé il y a deux siècles, à un moment où il n'y avait pas beaucoup de portefeuilles financiers et de dettes financières, et donc on n'a pas pris en compte tout ça, et puis à une époque aussi où on ne se souciait pas forcément beaucoup de réduire les inégalités. Et on n'a jamais vraiment mis à jour ce système. Et je pense que ça fait partie des questions pour faire face aux défis inégalitaires, sociaux et aussi climatiques du XXIe siècle, sur lesquels il va falloir s'y mettre. Mais bon, ça a été des batailles considérables dès la création d'un impôt progressif sur le revenu au début du XXe siècle, donc c'est pas très étonnant que ce soit aussi des batailles compliquées aujourd'hui, et c'est même encore plus pour ceux qui détiennent beaucoup de patrimoine, l'impôt progressif sur le patrimoine est encore plus inquiétant d'une certaine façon, et donc voilà, ça demande des batailles politiques importantes, mais ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Toutes les grandes avancées égalitaires se sont faites à la suite de mobilisations politiques et sociales qui ne se sont pas faites simplement, donc, il en ira sans doute de même à l'avenir, et voilà, mieux vaut le savoir, et c'est pas une raison pour partir perdant. Parfait, merci. D'autres observations? Sinon, j'ai une question pour qui concerne. Vous avez dit qu'à partir de 2004, les inégalités ont cessé de croître et même sont allées en légère diminution. Il y a une question qui est posée sur l'entrée des mères particulièrement, ou l'entrée des femmes sur le marché du travail, qui a été particulièrement fort au Québec là, à partir des années 2000. Est-ce que ça peut avoir contribué à baisser les inégalités? Puis est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres... Premier élément de question, là, en fait, ou de commentaire. Est-ce que c'est un facteur explicatif de la chute des inégalités? Bien, il faudrait s'y pencher, là. C'est sûr qu'il y a eu une explosion du taux d'activité des femmes au Québec à partir d'un accès plus facile au niveau des garderies, des crèches, des centres de garde. Il faudrait se pencher un peu plus en termes de contribution comme facteur explicatif là, au niveau
l'évolution des inégalités. Hein. Ça serait intéressant de faire une étude économétrique là, là-dessus pour voir quelle est la contribution du taux d'activité des femmes là, qui a vraiment explosé au Québec là, à partir des années 2000. Et il y avait une sous-question dans le commentaire ici qui était de dire, on reproche souvent aux statistiques fiscales de dire, comme au Québec, les médecins ont pu s'incorporer et donc de disparaître des statistiques des particuliers et aller dans les statistiques des sociétés, que ça peut laisser apparaître artificiellement une réduction des inégalités. Mais pouvez-vous confirmer qu'avec votre approche des comptes nationaux distribués, ce phénomène-là est pris ou pas pris en compte? Que les gens soient incorporés ou non, là. Peut-être, Matt, tu peux répondre à cette question-là sur l'incorporation. Oui, Luc, est-ce que tu peux répéter la question? On reproche souvent, quand on utilise les statistiques fiscales, qu'au Québec, à partir du milieu des années 2000, il y a beaucoup de professionnels qui ont pu s'incorporer. Et donc, en s'incorporant, ils sont disparus des statistiques des particuliers et ils sont arrivé dans la statistique des sociétés, puis eux, ils se versent, ils peuvent faire un grand revenu d'activité, mais avoir un petit, ils peuvent se verser simplement un petit salaire. Et donc, ça donne une illusion que les inégalités diminuent, mais ça serait donc faux sous l'angle des statistiques des particuliers. Mais vous, avec votre approche des comptes économiques, des comptes nationaux, est-ce que ça ne vient pas corriger cet élément-là? Maybe I didn't quite understand the question well enough, but certainly if there's any incomes that are measured in the national accounts, then we're covering them in our analysis. And if it's a question of, say, changing forms of income, then we do our best to say we observe more than 80% of national income in the fiscal statistics, and then we match on observables what types of income are earned by those in the fiscal data to what we observe elsewhere in the national accounts. And so I would say it's not impossible that there are mistakes and statistical anomalies, but in general, the DINA approach does cover this. Parfait, merci. En principe, juste pour prolonger ce point de maths, en principe, c'est exactement ce qu'on essaye de prendre en compte. C'est-à-dire que quelqu'un qui avant avait des bénéfices comme entrepreneur individuel très élevés, qui s'incorpore dans une société et qui se verse, mettons, un petit salaire, un plus petit salaire par rapport à ses bénéfices antérieurs, et le reste s'accumule comme bénéfices non distribués dans le cadre de sa société, et donc qui est quelque chose qu'on ne verrait plus dans des statistiques fiscales individuelles. En principe, toute la méthode vise justement à réattribuer ces bénéfices non distribués à la personne de façon à ce que ce changement, disons, d'organisation juridique des activités de la personne en question soit neutre par rapport à notre mesure des inégalités. Alors après, est-ce qu'on y arrive complètement avec les sources dont on dispose? Disons, on essaye de faire de notre mieux pour réattribuer ces revenus aux bonnes personnes. Mais c'est là que voilà, on est obligé de faire des hypothèses, on fait de notre mieux, mais ce sera toujours, on peut toujours essayer de discuter pour améliorer ces hypothèses. Parfait. Il y a une question de quelqu'un qui souhaite avoir de la récurrence dans les résultats et faire un suivi annuel. La question est la suivante, est-ce que ces données-là seront mises à jour périodiquement? Ben, Matt, veux-tu répondre? Les années. Est-ce que ça va être mis à jour l'année prochaine ou aux 2 ans ou c'est un geste un peu... Oui, en fait, c'est grâce aux Statistiques Canada, tous les novembre, they release a new data set on what is observed by the tax authorities. So it's 2 years after you file your tax returns, the data is analyzed and posted by the government. I think there's even a step further we can go to look at the microdata itself. But already what is posted in public tabulations is impressive and worth noting. Je peux ajouter, Luc, à ce que Matt vient de dire, on va faire la mise à jour de façon récurrente, mais la base qu'on vient d'établir avec les comptes nationaux distribués au niveau canadien, au niveau des provinces, je pense que c'est une plateforme qui nous permet d'aller beaucoup plus loin en termes analytiques.
à partir de la base qui est quand même assez solide, là, qu'on vient, la base historique là, de 82 à 2021 qu'on vient de constituer au niveau canadien et au niveau des provinces. Il y a un potentiel de recherche, là, je dirais, pour certainement les 75 prochaines années. OK, merci. Bon, je me voulais rassurer. Il y a deux étudiants parmi les panélistes, et donc il y a une question d'une doctorante ici qui dit son approche consiste à mesurer la progressivité de la structure fiscale pour ensuite élaborer un modèle qui repose sur des équations structurelles PLS à travers lequel elle tente d'expliquer les inégalités en se basant notamment sur le coefficient de Gini et un ensemble de variables. Est-ce que vous pouvez donner juste une appréciation? Est-ce que l'approche semble intéressante? Les variables étant la santé, l'éducation notamment. Moi, personnellement, je ne connais pas l'approche PLS, là, alors je ne peux pas commenter là-dessus. Est-ce que d'autres panélistes, Silas, peut-être? On serait toujours intéressé de voir et lire de la recherche là-dessus. Et on, bah, les étudiants pourraient nous écrire avec leur travail et on peut échanger les idées là-dessus. Merci, merci. Il y a une question qui portait sur quand on regardait le 1% des plus riches, puis on voyait avant et après taxe. Là, je me souviens pas des chiffres par cœur, là, mais il disait le revenu du 1% les plus riches passe de 800 000 à 250 000 selon ce qu'il rapporte et ce qui est rapporté ici. Pourtant, le taux marginal d'imposition n'est pas si élevé au Canada. Comment on explique la baisse entre le 1% avant impôt et après impôt qui aurait une si grande variation? Au Canada, ça? Ouais. Ben, Canada ou Québec, je ne sais pas, là, c'est pas pris. Ça dit Canada. Silas? Oui, je pense que je peux répondre, oui. I think the main thing to remember is that, comme Camille a dit, c'est une agrégation de toutes sortes de différentes taxes. Alors, ce n'est pas seulement le taxe marginal sur le revenu qu'on inclut ici, c'est aussi le taxe sur le revenu des corporations, property tax, sales tax. Alors, c'est toutes ces différentes formes de taxes qui sont incluses dans cette différence-là. Oui, et on devrait garder en tête que le 800 000, ce n'est pas nécessairement le revenu que quelqu'un a dans son poche à la fin de l'année. Une partie de ce revenu est gardée dans les corporations et les structures comme ça. Alors, ça aussi explique un peu la différence là. Merci. Tantôt, vous vous êtes prononcé, je crois, sur le fait qu'il n'y a pas un taux d'inégalité idéal, mais la personne revient quand même en disant quelle part le 1% devrait détenir? Au Québec, c'est 11, selon votre méthode. Aux États-Unis, c'est 19. Il n'y a pas d'idéal, mais est-ce qu'il y a une cible ou je ne sais pas? Comment est-ce qu'il y a un taux d'inégalité optimal? Ouais, de détention pour le 1% les plus riches. Disons qu'on voit des pays, notamment européens, notamment en Europe du Nord, comme en Suède, qui dans les années 80 descendent à 3, peut-être 3%, 4% après impôt, ou à peine d'ailleurs après impôt, en termes de part pour les 1% les plus riches. Et je vois peu de preuves indiquant que c'était trop bas. C'est-à-dire que on a des pays qui, en l'occurrence, avaient atteint à ce moment-là le plus haut niveau de productivité dans le monde par heure travaillée, et qui l'ont toujours, d'ailleurs, à peu près. Et il n'y a pas non plus de preuves que la remontée de ces niveaux de très hauts revenus est permis de dynamiser particulièrement la croissance depuis cette date. En fait, elle a plutôt diminué la croissance un peu partout, d'ailleurs, dans cette phase de remontée des inégalités depuis les années 80. Donc, pour résumer, moi, je serais assez tenté de dire, voilà, pour commencer, on peut retrouver ce type de niveau, et puis après, on peut discuter pour descendre plus bas. Mais disons que, voilà, moi, on sait pas jusqu'où on peut descendre en termes d'échelle des revenus. Mais sur la base des expériences historiques dont on dispose, moi je dirais que
une échelle de revenus alors là, cette fois-ci, pas en regardant simplement la part des 1% les plus riches, mais en comparant, mettons, les 10% des plus bas et les 1% les plus riches, enfin, en regardant l'échelle complète de revenus, une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 10, certains diraient, moi, je pense à 1 à 5 peut se justifier, une échelle de 1 à 20, ou à 1 à 50 ou 1 à 100, comme on a vu se développer au cours des dernières décennies. Et François, tout à l'heure, nous montrait la part du top 0,01% au Canada, qui avait alors là littéralement explosé au cours des dernières décennies. Pour le coup, là, je crois qu'on peut dire très officiellement que ça ne se justifie pas, dans le sens où beaucoup de sociétés ont réussi à s'en passer et ça s'est très bien passé. Et les sociétés qui ont choisi de revenir à ces écarts gigantesques qui existaient avant la crise de 29, qui existaient au début du XXe siècle, de 1 à 50, de 1 à 100, de 1 à 200, n'ont absolument résolu aucun de leurs problèmes sociaux, aux États-Unis notamment. Et pour faire face aux défis environnementaux et sociaux qui s'annoncent au XXIe siècle, si vous commencez par laisser, même si c'est une minorité de personnes, mais si vous commencez par laisser un groupe au niveau de 0,1%, de 0,01%, qui sont à 50, 100 fois la moyenne du pays ou les plus bas revenus du pays, ça va être quand même très difficile de convaincre les classes moyennes supérieures ou les gens au début du top 1% de faire un effort. Donc voilà, il y a un enjeu là qui dépasse de beaucoup le poids financier de ces très hauts revenus dans le revenu national. C'est aussi, il y a l'enjeu est d'abord la construction d'une norme collective de justice qui puisse permettre d'entraîner l'ensemble de la société dans un projet d'investissement dans l'éducation, dans la santé, dans les énergies renouvelables. Et donc, de ce point de vue-là, ces écarts gigantesques sont vraiment nocifs. Donc, je ne sais pas jusqu'où on peut les réduire. À mon avis, assez loin. Je disais 1 à 5 et 1 à 10. À mon avis, c'est plutôt des écarts de 1 à 5 qu'il faut viser. Mais en tout cas, 1 à 20, 1 à 50, 1 à 100, etc. Les données historiques et comparatives dont on dispose me semblent assez claires pour montrer que ce n'est absolument pas nécessaire à quoi que ce soit. Enfin, sauf pour les personnes concernées, évidemment. Mais... Si. Lorsqu'on compare deux pays ou deux régions dans le cas de l'analyse pour le Canada, là, deux provinces, s'il y a un pays, une province, une région, peu importe, qui a une forte immigration et l'autre n'en a pas ou beaucoup plus faiblement, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de tenter de corriger parce que les immigrés, hein, risquent d'arriver dans les cohortes de bas classement au début? Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de corriger lorsqu'on veut faire... Cette analyse-là des inégalités, à tout le moins en comparaison ou dans le temps. Peut-être un peu complexe à faire là, avec votre approche, là, mais. Est-ce Parce que. que Silas ou Matt ont une réponse sur est-ce qu'il faut tenir compte de l'immigration dans nos calculs d'inégalité selon l'approche d'INA? Peut-être que j'ai mal entendu la question, mais c'est si c'est faut encourager l'immigration l'inégalité pour is the question that one should encourage inequality to discourage migration? Now, should we take account immigration in our calculations? Ah, okay. No, certainly. The concept that we're based on is net national income. And so this is the income that accrues to Canadian residents, even abroad, and any income earned in Canada from those who reside or are citizens elsewhere would not be included. And so this is part of the statistics that we are based on. Parfait, merci. Dans le laboratoire des inégalités mondiales, il y a plusieurs pays, régions qui sont analysées. Est-ce qu'on peut faire ressortir les meilleures pratiques fiscales ou les meilleurs leviers pour réussir une réduction des inégalités ou contribuer à la réduction des inégalités? Est-ce qu'il y aurait un pays ou une région qui aurait par sa Je politique pense fiscale. qu'on va avoir, comme on a dit, le Nord-Europe et les pays Norvège, Suède,
ces pays-là ont eu du succès à réduire les inégalités avec des systèmes de les eaux taxes, les eaux marginal tax rates sur les grands revenus et les grands social safety nets. Je pense que et aussi je pense l'inclusion des ouvriers sur les boards of corporations et les choses comme ça aussi. Je pense que ces politiques-là ont eu un grand succès à réduire les inégalités. Parfait. Merci beaucoup à tout le monde. Je vois qu'il est 13 heures. On avait dit qu'on terminait à 13 heures, donc j'en profiterai pour vous remercier. Remercier tout le monde qui s'est mis en ligne. Moi, je vais faire de l'autopromotion peut-être pour une seconde ou deux pour juste dire que la chaire aura des prochaines activités. Donc, le 20 décembre, on s'intéresse au pouvoir d'achat des ménages québécois. Comment on se compare avec les pays avancés de l'OCDE, avec les provinces canadiennes, que nous réserve 2024 par rapport à 2023. Donc, il y a une analyse qui sera faite là-dessus. Et au retour du temps des fêtes, le premier midi-conférence portera sur l'édition 2024 du bilan de la fiscalité. Donc, j'en profite pour vous dire, joignez-vous à nous, c'est toujours agréable. Mais encore une fois, merci à tout le monde qui s'est connecté avec nous pour nous écouter. Merci à l'ensemble des panélistes. Merci à Thomas Piketty d'avoir participé si généreusement à la mise en contexte, mais à répondre généreusement aux questions. Alors, merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Et bravo encore aux auteurs pour tout ce travail. Merci beaucoup.